Bougez pas, restez avec nous sur Direct 8. Rendez-vous exceptionnel avec un championnat du monde de boxe ici en direct du Palais des Sports dans moins de 5 minutes avec le franco-camerounais Hassan Endam qui va affronter le géorgien Kurt Sidze. C'est un rendez-vous exceptionnel. Saïd Tagmaoui et Maïar Monchipour, pour quelle raison les téléspectateurs de Direct 8 doivent absolument rester avec nous? Parce que Hassan... Parce qu'elle est phénoménaux. Ça fait très longtemps que la France attendait un champion de cette envergure et je crois que ce soir... On l'a. Il est là, on l'a. Ne bougez pas, on arrive ici en direct dans 5 minutes. À tout de suite. Oh, qu'elles sont belles et qu'elles sont fortes ces images. Regardez cela. C'était il y a quelques minutes dans les vestiaires de ces deux garçons qui vont courir briguer pour une couronne mondiale, le championnat du monde WBA par intérim des poids moyens ce soir en direct du Palais des Sports de la Porte de Versailles où nous sommes avec, regardez, une salle comble et Maïar Monchipour qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Maïar. Bonsoir Alexandre. Bertrand Agis Louvet également est là, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Saïd Tagmaoui est de l'autre côté du ring, plus près des boxeurs. Salut Saïd. Bonsoir à vous tous. Et oui, on est là au milieu de la foule, la salle archi comble. On attendait ça depuis longtemps. Hassan Endam, Advent-il. Ça va être très 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 beau ce franco-camerounais. Hassan Endam qui a la possibilité ce soir de devenir champion du monde WBA par intérim face à ce géorgien. Attention, Kurt Sidze, c'est un redoutable adversaire. On va en parler dans quelques petites minutes, mais histoire de rentrer tout de suite dans le bain, eh bien, je vous propose qu'on retrouve Saïd qui était il y a une petite heure dans le vestiaire d'Hassan Endam, histoire de prendre un peu la température. Regardez. Oui, la préparation s'est bien passée. On a fait un stage d'oxygénation après des mises de gants. Donc tout a été mis au point. Donc maintenant, il reste qu'à accomplir le travail. Voilà. Un petit mot sur ton adversaire? Bon courage. Que le meilleur gagne. Mais je pense que je serai le meilleur. Tu as une stratégie précise? Je m'adapte sur le ring. Voilà. Je conclurai, je ferai ce qu'il y a à faire sur le ring par rapport à ce que mon adversaire me proposera. Hassan Endam, elle est phénoménale et prêt pour ce soir. La France attendait ça depuis un long moment. On est super heureux de t'avoir ce soir, Hassan. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton adversaire? Mon adversaire, je pense qu'il il s'est préparé pour cette échéance. Je pense qu'il est prêt. Maintenant, on verra ce qu'il a dans le ventre. C'est un mec qui cherche beaucoup la bagarre, qui bouge pas beaucoup, qui est complètement l'opposé de toi. Oui, en fait, moi je suis quelqu'un qui danse beaucoup, c'est le mec qui avance beaucoup, mais je pense que, à mon avis, aujourd'hui, il va reculer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hassan est prêt, il est même archi prêt, et maintenant il y a deux rôles, il y a le taureau et le matador, et en général, c'est rare que le taureau gagne. C'est même presque impossible, s'il faut vraiment que ça sorte de l'exception. Et Hassan, ce soir, va gagner. Eh bien, on lui souhaite, en tout cas. Juste un petit mot, quand même, Saïd. J'étais juste derrière toi dans le vestiaire lorsque tu es allé le voir, Hassan. Il était quand même très détendu. C'est assez étonnant, hein? Oui, détendu, mais surtout très concentré, parce que c'est important pour lui, c'est dans une carrière de boxeur, d'atteindre le championnat du monde. C'est le Graal. Le firmament, voilà. Et donc, super concentré. Et moi, je l'ai senti vraiment très près. Maïar, il est invaincu. Il est invaincu. On se dit, mais il y a bien un gars qui va le mettre à terre un jour. Oui, mais le fait d'être invaincu, ça compte beaucoup parce que vous avez un capital confiance qui est énorme. Et je n'aime pas les gens qui disent, oui, il n'a pas connu le doute, la défaite, ça peut apporter. Non. En boxe, on a un sport où on prend des coups, on en donne, mais on en prend également. L'apprentissage se fait dans la victoire et il a beaucoup gagné. Souvenez-vous, le 12 juin dernier, c'était déjà sur Direct 8, c'était à Marrakech, vous y étiez. C'était le dernier combat d'Hassan Endam. Regardez ces images, il s'était imposé ce soir-là. Et puis, Bertrand Agis, il y a un truc qu'on aime bien, c'est qu'en plus c'est un showman. Non seulement c'est un monstre de puissance et un talent incroyable, mais en plus c'est un showman. Oui, Hassan a ceci d'extraordinaire qu'il est vraiment naturel et on l'a bien vu effectivement quand on a commenté avec Maïar à Marrakech. Il est arrivé sur les, on va dire, les 70 mètres qui le menaient des vestiaires au ring en dansant et tout ça sonnait vrai. Voilà, c'est Hassan Endam, il ne joue pas un personnage, c'est lui-même, c'est un artiste, il l'a dit, c'est un danseur et je pense qu'on va le voir complètement ce soir. Il a le talent en tout cas pour être champion du monde, Maïar. Hein. Oui, évidemment, et il sait deux choses, Hassan.
au-delà du fait, on est obligé quand on fait le show d'être bon. Il est bon. Ouais. Mais si en plus on a un showman avec du respect, hein, il manque jamais de respect à l'adversaire, c'est qu'on peut devenir une star. Moi j'ai été champion du monde plusieurs fois. Être une star, c'est autre chose. Il a la possibilité de l'être. Allez, regardez, ça c'était la victoire à Marrakech. Et puis cette semaine, il s'est entraîné. Ça c'est la petite ceinture qui nous plaît bien. Il s'est entraîné du côté de Pantin. Nous y étions, regardez bien, rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé, c'est les derniers entraînements. Alors là, c'est plutôt du réglage, hein, Maillard, hein. Oui, et puis j'avais assisté il y a très longtemps. Là, c'est un entraînement de fin de préparation. Avec son coach, Mousse. Hein. Voilà, Mousse, ça va où cher. Mais ils font beaucoup de travail de ce qu'on appelle de la coordination, beaucoup de mouvements. Bah, ça boxe, hein, avec des mouvements dans tous les sens, et en appui au moment de frapper, mais tout en bougeant. Donc c'est vrai que c'est... Bon, bah c'est leur façon de travailler, c'est très bien, je pense. Et regardez ces images, et c'est vrai que Saïd, il dégage une puissance. Hassan Endam, assez phénoménal, hein, Saïd. Oui, Hassan a toutes les qualités requises pour être un grand champion, toutes les qualités qu'un boxeur rêve d'avoir. Il est très technique et il a une puissance extraordinaire. Vous allez voir ce soir, c'est vraiment un très grand athlète. Regardez, pourtant là, on est à l'échauffement, hein. C'est, entre guillemets, pardon, permettez-moi la rigolade, mais regardez cette puissance, la capacité d'enchaîner les coups, c'est juste phénoménal. Et on imagine qu'Anaftandil Kurtzidze le sait, parce que les boxeurs s'observent, analysent les combats précédents les uns des autres, hein. Oui, évidemment, maintenant on dispose des vidéos longtemps à l'avance, surtout à ce niveau là une fois que les signatures en bas des contrats ont été faites, les promoteurs doivent envoyer obligatoirement l'ensemble des combats demandés, et on travaille par rapport à ça, puisque on ne boxe pas, on ne court pas derrière le vent, contre le vent ou dans l'eau, on boxe contre un homme. Bien et sûr. Un homme ne change pas du jour au lendemain, donc s'attaquer est importante. Dernière petite image, c'était la pesée traditionnelle, officielle. Hier, nous y étions, regardez ces images. Et on sent que déjà, il y a de l'envie. Hein. Ils avaient envie d'y aller. Voilà Aftandil Kurtzidze, ce tornado, le géorgien. Musculeux 31 également. Ans. Parce 31 que Hassan est impressionnant musculairement. Ouf, c'est sec. Il, hein. Voilà, mais Hassan fait plutôt corps de 100-200 mètres, vraiment félin, musculairement félin. Et son adversaire est plutôt haltérophile. On voit bien la différence d'ailleurs des deux boxeurs et on peut deviner à leur corps. Déjà, il y a 10 cm de taille. Hein. Il y a 10 cm, ça va être un paramètre important, mais on voit effectivement Kurtzidze qui est plus massif, on va dire, dans l'endurance. Ça chambre. Et Hassan Endam qui est vraiment, on voit, il est explosif. Bien. Voilà, ça chambre, mais après on se serre les mains. Ça chambre, mais beaucoup de respect. Hein. Voilà, beaucoup de respect, on l'a vu entre à la boxe. Les deux garçons qui vont arriver sur le ring d'ici quelques petites minutes pour ce championnat du monde WBA par intérim qu'on vous propose sur Direct 8. De plus en plus de boxe, régulièrement de la boxe. On sera pour un championnat du monde avec un Français d'ici quelques semaines en Allemagne. On vous en parlera un petit peu plus tard. Vous entendez le speaker officiel. Voici maintenant les deux garçons qui vont s'affronter ce soir pour cette ceinture mondiale par intérim des poids moyens, soit la catégorie des moins de 72 kg 574. Deux garçons qui hier à la pesée étaient au même poids, Bertrand Régis, c'est-à-dire 72-200, les deux. Hein. Oui, tout à fait, c'est assez rare pour être signalé. Bon, de toute façon, ce sont deux poids moyens naturels, donc on peut dire qu'il n'y a pas d'artifice, pas de tricherie, on ne perd pas de poids de façon artificielle au dernier moment. Ce sont deux garçons qui sont très entraînés. Allez, et c'est le géorgien qui vit en Ukraine d'ailleurs, hein. Aftandil Kurtzidze qui va être le premier à monter sur ce ring ici au Palais des Sports de la Porte de Versailles, qui a vu quelques-uns des plus beaux combats qu'on ait vu en France il y a quelques années. Se retrouver ici dans cette salle, Maillard, c'est juste incroyable. Elle est magique, elle est archi-comble aujourd'hui. On a fait salle pleine, salle comble. Regardez comme c'est beau. On n'a plus qu'à voir un superbe combat. En tout cas, on a les deux garçons pour. Effectivement, on est au centre de Paris. Les Parisiens, les provinciaux comme moi viennent ici. Oh là là, le spectacle. C'est une salle de spectacle d'ailleurs. J'espère que les deux boxeurs feront ce qu'il faut. Ce géorgien, Aftandil Kurtzidze qui se fait attendre, alors que on nous fait un peu de spectacle. C'est quoi ça? C'est de la danse géorgienne? À mon avis, on salue nos amis géorgiens qui nous regardent. C'est ça la boxe aussi, c'est beaucoup de show avant et après, mais lorsqu'on y est, eh bien, on ne rigole plus. Le voici, ce géorgien, 31 ans, 22 victoires, dont 13 par KO et une défaite. 1m70
70 pour Aftandil Kurtidze, qui est numéro 2 de la WBA. Une défaite, Alexandre, d'ailleurs, dans des conditions un petit peu particulières, puisque c'est un boxeur qui a fait le tout début de sa carrière professionnelle aux États-Unis, les 7 premiers combats. Et en 2005, il a perdu dans des circonstances qui arrivent en boxe. Il a pris un coup bas et il a été déclaré perdant. Un coup bas, je pense qu'il faut qu'on explique ce que c'est. Un coup entre les jambes mal placé. Voilà, il a pris un coup très très mal placé, comme vous le dites. Et du coup, il a décidé après de rentrer dans son pays, ou en tout cas, plus exactement, de s'installer à Kiev, en Ukraine, avec un nouveau promoteur qui lui offre des conditions d'entraînement très bonnes. Regardez, écoutez ces images. Le voici, ce Géorgien. 1m70, compact. Il avance, hein? Oui, certainement, vu son gabarit, il est obligé pour cette catégorie-là. Ça se voit à son gabarit, à son visage. On l'imaginerait bien avec une hache en train d'abattre des troncs. Le voici. Voilà. Aftandil Kurtidze, surnommé The Tornado, qui est parti aux États-Unis chercher quelques adversaires dont il ne disposait pas en Géorgie. Et maintenant, nous allons accueillir ce franco-camerounais que l'on attend. Un garçon qui déborde de talent. C'est pour cela qu'il est surnommé déjà El Fenomeno. Il est numéro 1 à la WBA. Et il a donc la possibilité d'être champion du monde ce soir. 26 ans, invaincu, 24 victoires, dont 17 KO, 1m80 de muscles et un mental d'acier. Mais vous allez voir qu'à 2-3 minutes du combat, il fait preuve d'un détachement étonnant. Voici Hassan Eldar. Il se fait attendre. Il doit pas être bien loin, croyez-moi. On aperçoit les caméramans. C'est que le champion arrive, le voilà. Et je me demandais s'il allait revenir en dansant ou cool pour un champion du monde. Ah ben non, il vient comme d'habitude. Il va danser. Regardez ça, c'est extraordinaire. Quel showman! Saïd, c'est fort, hein? Incroyable! Il est à la hauteur de ce qu'on attendait. Toujours très spectaculaire dans ses entrées et très relax. C'est ça aussi qui fait le charme de la boxe. Il y a ce qui se passe sur le ring, mais aussi ce qui se passe en dehors du ring. Et vraiment, Hassan a une dimension incroyable. Et là, dans cette salle, dans cette soirée programmée, produite par Sébastien Carriès, ils ont mis les petits plats dans les grands. Parce que là, véritablement, le palais des sports est en ébullition. Maillard, parle-nous de ces instants avant de monter sur le ring. Comment on peut être aussi détaché alors qu'on va jouer sa carrière dans 3 minutes? C'était sa personnalité. J'étais tout à l'opposé. Je jouais ma vie à chaque fois parce que ma personnalité est telle. Et pour moi, c'est une énigme. J'ai le bon soir, voilà. Et après, il va assumer. Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est l'opposé. Regardez ce que fait Kurtidze. Il ne regarde même pas l'entrée sur le ring d'Hassan Endam. Il est dans son monde, un autre monde. Moi, j'imagine, je n'ai aucune expérience en boxe, mais je m'imagine adversaire des gars qui arrivent en faisant le rigolo. Je me dis dans ma tête, vas-y. Il est en train de rigoler, d'ailleurs. Ouais. Allez, voici les hymnes. Et on va commencer par l'hymne géorgien.
sud-africain, pardon, l'honneur de l'arbitre de cette rencontre, une légende de l'arbitrage, monsieur Stanley Christodoulou. Oui, tout à fait, Alexandre, qui en est à son 250e championnat du monde arbitral. Il avait jugé mon championnat du monde le 4 juillet, il y a un peu plus d'un an. Et j'espère que c'est un signe. Il a surtout jugé le dernier championnat du monde de Steve Aurelius. Voici maintenant l'hymne géorgien. Pour cet homme. Géorgien pour The Tornado, Aftandil Kurtsidze. Et maintenant, la Marseillaise en l'honneur de ce franco-camerounais, Hassan Endam. Comme d'habitude, on va voir le combat. Je voulais vous faire une remarque. Il n'est pas né dans ce pays, il vient d'être naturalisé, il l'a chanté en entière avec fierté. Bravo. À bon entendeur, salut. C'est vrai, tu as raison, Maillard. Ça méritait d'être. Ouais. Ça fait du bien de voir un athlète français qui chante la Marseillaise. Et là, ce sont ces derniers instants, Maillard, que l'on aime tant. Oula. Et il y a depuis... les derniers petits mots avec. depuis voilà, quelques temps, le pour nous. Sébastien Cariès. Pour nous, c'était papa, c'était Michel. Maintenant, c'est Sébastien, le judo. C'est le fiston. Et aussi la compétence aussi. Et Mousse. Mousse, une personnalité, l'entraîneur. Le monsieur, un petit peu plus petit, sans cheveux. C'est Mustapha. Oui. Oui, cher, c'est celui qui a, on va pas dire récupéré, parce que ça pourrait avoir une connotation péjorative. Oh, c'est mais tombé c'est lui du qui ciel quand même. Juste après les JO. Saïd. On peut pas parler de Hassan Endam sans parler de Mousse. C'est un duo, ils ne font qu'un, ils sont ensemble depuis très longtemps. Les décisions, l'entraînement, enfin c'est vraiment l'homme d'Hassan Endam. Une petite remarque, le cutman, je lui demande à monsieur Magaton Mikhaïlev qui est depuis des années, des décennies dans la boxe, il fait le cutman ce soir. En cas de blessure, le cutman a un rôle primordial pour ne pas perdre de combat. Gaëtan, qui est lui aussi quelqu'un de très très connu dans le milieu de la boxe en France, qui dirige la salle de Saint-Ouen depuis plus de 30 ans et qui est là en voisin, puisque donc Hassan et Mustapha Ouiché s'entraînent principalement à Pantin. Allez, attention, 12 rounds de 3 minutes pour ce championnat du monde. WBA par intérim des poids moyens entre eux, culotte noire avec les couleurs françaises et du Cameroun. Hassan Endam face à lui, ce géorgien Kurtsidze. Kurtsidze très mobile du buste à la façon Tyson. D'ailleurs, il en a la garde au menton. Endam numéro 1 de la WBA, Kurtsidze numéro 2. C'est un combat exceptionnel sur le papier. C'est une affiche de très très haute voltige qu'on vous propose ce soir sur Direct 8. Premier round. Oh, c'est le Tyson géorgien là, parce qu'il boxe de la même manière. J'avance, j'esquive les coups avec des petits mouvements et vraiment la garde plutôt au niveau du menton. Être plus petit donc n'est pas que un défaut. En tout cas, ça oblige, voilà, effectivement, mais il faut savoir le résoudre. Ça oblige, ouf, attention à ça. Il va falloir qu'Hassan monte un petit peu plus sa main opposée, son bras arrière, on va dire, pour se protéger. Parce que Kurtsidze n'est pas un puncher, mais enfin, c'est quand même un boxeur assez puissant. Et on l'a vu sur les premiers coups.
Oh, magnifique. Uppercut du bras arrière en venant de très bas. Hassan a réussi. On l'a dit, du côté du clan d'Hassan Endam, ce combat n'est qu'une étape. Mais attention, on le voit tout de suite, les deux rentrent très vite dans le combat. Je crois d'ailleurs que le géorgien n'a pas laissé le choix à Hassan, hein, Bertrand Gis. Oui, tout à fait. Oh. Sa seule chance de s'en sortir, c'est d'imposer un pressing, et c'est ce qu'il fait très bien. Et surtout, moi je trouve Hassan un petit peu noué au niveau du bas, au niveau des jambes. Il n'a pas son jeu de jambes habituel. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait chaud. Ou un peu contracté par l'enjeu malgré tout. Également, oui. Et quantité, pour moi, est moins limitée que j'en avais l'impression en voyant, un peu bourru, un peu ramassé. Des coups assez variés, bon parfois dans le vide, mais il a touché deux ou trois fois au plexus, a bien surveillé le bras gauche au plexus. Il y a quelque chose d'intéressant dans la boxe de Curtidé, je pense qu'il a appris ça aux États-Unis, c'est vraiment l'école américaine, avec ce travail du buste, hein, quand il approche de son adversaire, c'est assez caractéristique. Oh! Ah, ça va chambrer. Ah, s'il commence à chambrer, belle percute réussie. Il va prendre une deuxième direct derrière. Hein. Hassan. Oh, oh ah, coup, oui, mais Hassan a réussi un coup au corps, à mon avis. Qui va faire mal. Ah. Qui a fait mal. Ce qui est arrivé, je peux vous dire. Du bras arrière au corps. Quelle rapidité. Quelle puissance, d'un côté comme de l'autre. Ça va très vite, là. Hein. Ce ouais. Premier round est de haute voltige. Et il y a 12 rounds à faire et... Ils ont décidé quand même, en variant, de travailler souvent encore. Ils ont raison, je crois. Oui, c'est pour faire baisser la garde de l'adversaire, pour éprouver physiquement. Ça, je pense que Maillard pourrait nous l'expliquer. Quand on prend des coups au corps, on a du mal à garder une garde haute. Hein. Et si jamais on se fait mal une fois, on ne pense plus qu'à ça. Je vous promets, vous ne pensez qu'à ça. Regardez les regards. Oh, 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 attention, attention. Oui. Magnifique droite en crosse. Mais je pense que géorgien sur la face d'Hassan Endam. La main était ouverte, Maillard, donc ça a dû lui faire un petit peu mal, mais aussi, le coup n'était pas vissé. Tant mieux. Mais attention. Regardez, on écoute. Okay. Ce qu'il faut, parce qu'il a des couleurs. Tu entends ? Ce qu'il faut, c'est que tu prends la distance à gauche. Tu vas-y. Je suis à côté de Jean-Claude Boutier, que vous connaissez tous. Oui, ça y est. Jean-Claude, qu'est-ce que ton impression du premier round ? C'est ce à quoi je m'attendais. Ça veut dire l'opposition est très offensive et compte tenu de sa taille, il est très compact. Il ne va pas changer de tactique. Hein. Maintenant, ce que fait Endam, c'est remarquable. Je pense que là, il n'est pas encore complètement chaud, mais son côté artiste va lui permettre de déjouer, je pense, le côté offensif de son adversaire. Okay. Merci Jean-Claude. Merci Saïd Tekmaoui. Deuxième round. Allez, deuxième round de ce championnat du monde WBA qu'on vous propose ce soir sur Direct 8. Hassan Endam, Aftandil Curtidze. Je vais donner un élément à nos téléspectateurs. À la fin de la minute de repos, il est très important de bien avoir récupéré l'effort du round passé. On va regarder à chaque round. Et bah, Hassan était en avance sur la récupération dès le premier round. Et on voit que les premiers coups, en tout cas comme au premier round, Aftandil rentre dedans tout de suite. Hein. Ouais, tout à fait, mais j'ai la ferme impression quand même qu'Hassan est en train de se mettre en jambes. Il y a du sang, messieurs, sur une arcade gauche, oh. Me semble-t-il, d'Hassan Endam. Ah non, d'accord. Il y a du sang, oui. Et pourtant, il n'y a pas eu de choc. Je crois pas qu'il y ait eu de choc. Regarde, autre que le gant. Ça coule un petit peu. Ça attention, saigne attention. Sur l'arcade gauche d'Hassan Endam. C'est juste, Alexandre. C'est juste, c'est peut-être, peut-être un coup d'épaule qu'on n'a pas forcément distingué d'ailleurs. C'est un lion, ce jeu. Ah oui, oui, non, non, ah, oui, vrai, vous avez raison. Ça peut changer le combat, ça. Hein. Encore l'importance maintenant d'avoir fait appel à M. Gaëtan Mikhaïlov. Maintenant, il a du boulot. Oh là là, il n'arrête pas ce géorgien. C'est un ours, c'est un ogre, c'est un lion. Un animal, regardez! Heureusement que les droites sont un peu larges. Ouais, par contre, Hassan n'a pas du tout intérêt à accepter le combat de près. Il faut vraiment qu'il reprenne sa distance parce qu'il a une allonge très largement supérieure. Et il est très fort sur les coups. Quelle puissance du géorgien! Oh, oh, ça va faire. Il a été touché, le géorgien. Et vous avez vu là, avec le gant, il a enlevé le sang sur son œil, Hassan Endam. Il faudrait pas que ça le perturbe trop et qu'il panique. Mais bon, c'est un boxeur qui a quand même pas mal de maturité. Alors, toujours pour les téléspectateurs, à cet instant-là, le seul produit autorisé par la fédération au risque de se faire disqualifier, c'est la vaseline et l'adrénaline concentrée qui est vasoconstricteur, c'est-à-dire qui ferme les veines. Mm-hmm. Si vous mettez autre chose, à l'ancienne, de la, voilà, vous êtes disqualifié. Il y a beaucoup de sang là. Ouais, et on regarde qu'il est bien. Il est bien taillé, en tailladé en tout cas semble-t-il, cette arcade gauche
Heureusement. Hassan Endam qui commence à gonfler d'ailleurs. Et le Géorgien le voit. Heureusement que les coups sont un peu larges et arrivent au-dessus de la tête de Hassan. Mais il travaille beaucoup, beaucoup au corps au milieu, au plexus, le Géorgien. Maillard, quand on a blessé son adversaire, on se dit quoi? Il faut que je continue de taper ici même, là. C'est compliqué de dans la... Il a perdu son entier. Qui a perdu? Ah, le Géorgien. Le Géorgien a perdu son protégeant. Il est en danger. Oh, il est en danger parce qu'on peut se fracturer une mâchoire. Effectivement, c'est de l'arbitre. L'arbitre ne l'a pas vu, logiquement. Je crois qu'il l'a vu, c'est que c'est lui qui est maître à bord. Là, il va pouvoir, parce que le Géorgien a pris le dessus. Bah, vous avez raison, il l'a peut-être pas vu. Je pense qu'il ne l'a pas vu, Maillard. Ça serait dommage. 15 secondes. Hassan Endam qui balaye le centre sur son gauche. C'est clair, il aurait dû ramasser. Pas de bagarre. C'est trop dangereux. Quel combat. Vous avez raison, on va voir. Ah, si, Bertrand Lodis, il l'avait vu, il décide de ne pas interrompre, c'est trop dangereux. C'est parti à 200 à l'heure, messieurs. On va écouter ce que dit Mousse. Il est coupé, c'est rien, c'est au-dessus. Ça, c'est des paroles importantes pour le rassurer. Tiens, on va vous faire gagner un magnifique écran plat en jouant tout de suite et en direct par SMS sur Direct 8. La question ce soir, et c'est toujours 7-23-23. Vous répondez à la question suivante. Écoutez bien, vous envoyez le mot box suivi de la réponse à cette question. Combien de temps dure un round de boxe? Est-ce que c'est 15 minutes ou 3 minutes? On peut déjà vous dire qu'il y en a eu deux et ça fait pas un quart d'heure que ça dure. Combien dure un round? 15 minutes ou 3 minutes? Vous envoyez 15 ou 3 au 7-23-23 après avoir préalablement envoyé le mot box. C'est important ce qui se passe, Alexandre et Maillard dans le coin. On sent une grande sérénité chez Mustapha Wiché. Ah, mais il est obligé au moins de lui faire croire. Oui, et surtout Gaëtan Mikalev a utilisé le fameux produit dont Maillard parlait tout à l'heure avec un l'adrénaline. Voilà. Pour essayer de stopper le saignement. Et je peux vous dire, c'est magique. Et c'est le seul produit autorisé. Oh, ça frappe fort. Ah, vraiment là. Et c'est bien, il tente sa chance, il est là, il n'est pas là pour. Mais Maillard, en tout cas. Oh, on a. Non, ça va. On a en tout cas un magnifique combat, tout simplement parce qu'on a les numéro 1, nous le numéro 2 de la WBA. Quand vous mettez les meilleurs en face, il n'y a pas de secret. Une large droite qui est passée, je crois, du côté géorgien. Et ça renseigne encore un peu au-dessus de l'arcade gauche, la Hassan Endam. Alors, est-ce qu'il ne l'aurait pas ouvert sur un coup? Parce qu'il envoie vraiment des longues crosses. Oh, wow, c'est bien. Il travaille vraiment bien encore. La coupure est nette et je pense qu'il y a dû y avoir un choc de tête. C'est souvent comme ça, parce qu'on tient un choc de tête. Oh, attention. Ah, ça fait deux fois le protégeant. L'arbitre qui intervient. Regardez le visage d'Hassan Endam. Et là, c'est quand même tout le métier de Curtizé qui perd son protège-dents pour la deuxième fois en 3 reprises. Ça veut dire quoi? Il le fait exprès? Oui, ça veut dire que là, franchement, là, c'est de la simulation, c'est pour gagner du temps. Et je vous invite vraiment à surveiller sa cadence de respiration à la fin de la minute de repos. A-t-il récupéré ou pas? En tout cas, on comprend ainsi mieux. Oh! Il est rentré si fort dans le combat. De loin, crochet gauche d'Hassan Endam. Voilà, il n'arrive pas à le cadrer, c'est bien. Là, c'est super. Il n'arrive pas à le cadrer et quand Hassan se pose, il déclenche. Et là on dit Hassan, amuse-toi. Il faut vraiment qu'il trouve sa distance en fait. Oh, attention. Oh, les couleurs, c'est dangereux. Elle fait mal la droite du Géorgien sur l'arcade d'Hassan Endam. Oh, il dit non, je ne suis pas touché. Il fait peur avec ses coups larges mais qui sont rapides pour autant. Hassan Endam a vraiment tout à perdre en restant et en acceptant le combat de près contre ce Géorgien. Est-il ouvert des deux côtés? En tout cas, ça saigne de façon plus intense. Il a repris une énorme droite qui est venue de nouveau. Effectivement. Sur cette arcade, maintenant, est-ce que c'est le gant du Géorgien qui a du sang et qui est venu en mettre? Mais je crois pas, j'ai l'impression que c'est la droite aussi. C'est trop bien, mais c'est vraiment au niveau de l'arcade de la pommette. Donc ça me paraît difficile. Et Maillard a raison, il est effectivement légèrement ouvert à l'arcade droite également. Les deux arcades sont touchées. Oh, une courte droite est arrivée. La droite est arrivée, messieurs. Par intérim, certes, un vrai combat de haut niveau. Complètement. Oh, attention, il est touché. Il est sur les talons. Attention, Hassan Endam est sur les talons.
Bon, Hassan, sérénité. Attention, on va regarder. Avant de retrouver Saïd, je voudrais juste qu'on entende les premiers mots de Mousse. Au côté d'Hassan qui est touché. C'est le même endroit entre Hassan. Les deux. Hassan, c'est rien. Pourquoi tu te banques au large ? Hassan, c'est un schéma tactique. Il ne doit pas rentrer dans le jeu des autres. On voit la coupure là, sur l'arcade droite, vous la voyez. Elle est claire. Saïd Takmaoui est au côté de Claude Brasseur. Claude Brasseur qui est un grand amateur de boxe. Il est là. Claude, qu'est-ce que tu penses de ce match ? D'abord, c'est une très belle réunion, un très beau match qui me paraît d'une très grande violence. J'ai peur et je ne voudrais pas que le combat s'arrête sur blessure parce que notre petit français a déjà une arcade ouverte. C'est deux boxeurs très intéressants parce que deux styles totalement différents. Pour le moment, j'ai l'impression que le Georgien a une petite avance. Merci Claude Brasseur. Absolument. C'est bien analysé de la part de Claude Brasseur parce qu'effectivement, autant les deux premières reprises étaient indécises, autant la troisième reprise, on peut la donner au Géorgien. Et on voit les deux arcades nettement entaillées d'Hassan Endam. Regardez, ça saigne déjà. Et voici ce rouleau compresseur géorgien, Aftonil Kortsidze. Il arrive bien à réduire la distance, c'est ça le secret quand on est petit. Il arrive à bien réduire la distance. Et une qualité d'esquive également chez le géorgien. Voilà. On réduit la distance en évitant les coins, les esquivant, et il sait le faire. Je vais vous donner mon sentiment, je pense qu'Hassan est quand même perturbé par l'ouverture de ces deux arcades. Forcément. Non seulement, et puis il a pris les coups. Ça doit être effectivement pour le moins. Oh bien, bloqué, il n'est pas que bloqué, mais... Allez, ouais, superbe ce qu'il a fait là. Allez, il faut enchaîner. Alors il va falloir qu'il varie maintenant parce que j'ai l'impression qu'il lit ces coups là. Que le géorgien arrive à lire en tout cas ses hypercuts qui n'arrivent pas. Bah vous voyez la garde dont on voulait passer aussi. Comment faire pour faire baisser la garde, Maya? Ah bah c'est un travail au corps, certes, mais surtout des travails variés également. Variés les angles. Mais alternance. Ça, Hassan sait le faire. Alternance de coups. Ça bien. Voilà, déclenche les. Ouais, ah, et belle celle-là aussi. À droite et encore. Allez, il faut libérer la machine là. Non. Il faut libérer la machine. Tu le disais, Bertrand Régis, on le sentait un peu tendu, crispé. Alors qu'en face, on est parti à 200 à l'heure. Peut-être qu'il ne rentre que maintenant véritablement dans ce combat. Je suis d'accord avec toi Alexandre, il y a beaucoup plus de fluidité dans la boxe. On a vu une ou deux esquives rotatives qui étaient magnifiques. Et comme le disait Maillard également, il y a différents angles de frappe. Donc on voit vraiment que Hassan est en train de s'installer. Il part que du droit au plexus je crois. Il n'a pas dû arriver à 100% parce que sinon on se couche. Ça vient. Et pour moi, le Géorgien a un peu baissé le rythme. Il cadre moins près, moins vite. Mais le Géorgien a 31 ans. Hassan, c'est 26 ans. Vous voulez dire qu'on est vieux à 31 ans ? Non, mais on est moins jeune qu'à 26. Effectivement. Et le Géorgien, on l'a vu et on le sait. Et c'est pas un hasard s'il a démarré ce combat à 200 à l'heure. C'est qu'il sait que 12 rounds, c'est très long. N'acceptez pas la bagarre. Et que si le combat va loin, ça pourrait tourner en l'avantage d'Hassan, alors que pour l'instant, avec celui dont le visage est maculé de sang, c'est le franco-camerounais. Avec sa petite taille, le fait qu'Hassan ait vraiment une boxe déliée, mobile, et qu'on est en France, il est obligé de faire le combat, le Géorgien. Il est obligé, il peut pas avoir 30 secondes sur place. Un bon round pour Hassan cette fois-ci. Ouais, tout à fait, je pense qu'il a gagné largement cette reprise. Oh. Il prend des coups et il avance. Ah bah là il va falloir qu'il se méfie de cette petite du bras arrière de Hassan. Ouais. Magnifique, bien, c'est mieux. Quel beau round d'Hassan Endam. Allez les premiers mots avec le coach Mousse. T'as compris? Et c'est comme ça qu'il faut que tu boxes, ok? Et te mets, donne-moi l'eau. Souffle, c'est rien Hassan, hein, c'est rien, c'est deux petites coupures superficielles. J'ai bien début, j'ai bien début. Vois doucement, hein, tu me dis pas tout le monde. Hassan, que les mots sont importants. Tu ne mets pas sur les talons, pas sur les points. N'en tiens pas compte, concentre-toi sur ta boxe, c'est ça que ça veut dire Maillard. Effectivement, en fait, vous avez deux parties de conseils. Technique, psychologique, réconfort. Technique et psychologique. Et sur la partie technique, on doit être très court, des musclés qu'on connaît. Et sur la partie psychologique, on peut être un peu plus père de famille. Saïd Takmaoui. Oui. Dans la salle avec. Avec Monsieur Akariès. Lequel? Le boxeur, Louis, le vrai, l'unique. Louis, que penses-tu de. C'est une belle histoire pour l'instant, elle n'est pas finie en tout cas. Mais je pense qu'Hassan devrait s'inspirer plus de la télévision.
Il devrait donner plus de direct. Alors 8 direct, ça irait bien. Voilà. Direct 8, ouais, ça serait bien. Il est fort, Louis. Hein. Super. Merci Louis. À la direction marketing de la chef. Allez, attention, c'est reparti. Quatrième round. On vous rappelle, 12 rounds. Hein. De 3 minutes, bien sûr, pour ce championnat du monde WBA par intérim des poids moyens. Oui. Et Hassan arrive à se créer plus d'espace. Il est moins pris en tenaille. Ça va beaucoup mieux là. Culotte noire avec les couleurs de la France et du Cameroun, Hassan Endam. Voilà, il faut marquer, partir comme il le fait, comme il a commencé à le faire dans la reprise d'avant. Un petit, une petite remarque là pour les entraîneurs français. Regardez comment le Géorgien bloque les hypercutes du bras arrière de Hassan avec, en ouvrant son bras arrière en opposition, tout simplement. Ça existe et ça marche. Là, il cherche des solutions, le Géorgien, mais il ne les trouve pas. Oui, mais c'est... Ah bah non, là il a touché, mais c'est la riposte d'un Salendat. Oh ! Ah non, mais c'est ça le problème, c'est le quoi ? Ah bah voilà. Que de coups portés. Attention, attention. D'un côté comme de l'autre, ça n'arrête pas. Oh là 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 là. Maillard, c'est de la très très belle boxe. Voilà, de la boxe de haut niveau. Première remarque, deuxième remarque, regardez, quand on est bien préparé, quand on est solide, du coup, on récupère très vite. On est touché, c'est pas bien, mais à plus... petit niveau, on attend une minute, là non, on est tout de suite, là on est présent. Il y a du rythme dans ce combat et c'est vrai que c'est un vrai combat de haut niveau, un vrai championnat du monde. Et autre championnat du monde, on vous rappelle que le 18 décembre, nous serons en Allemagne pour le championnat du monde de Steve Aurelius, le français face à un Cubain, Juan Pablo Hernandez. Et Steve Aurelius, 93 kilos, qui a gagné tout à l'heure dans un combat de rentrée. Et du champion du monde WBA par intérim. Des poids lourds légers. Je nous invite tous à regarder la différence de rythme qu'il y aura ce jour au mois de décembre, parce que 2 mois se seront passés, l'ambiance n'est pas la même. On prépare ce soir, bah, c'était un combat de rentrée, c'était un peu lent, c'était une mise en une prise de contact. Oui, bien sûr, une prise de contact. Un entraînement en public contre nous. Voilà. Alors que là-bas, pendant lequel on pète KO. Mais que là-bas, voilà, il remettra sa cour en enjeu et là, ça sera autre chose. Attention, attention, messieurs. Oh, oh, magnifique, ah, magnifique. Oui. On se tient l'un et l'autre. En plus, il bloque. Regarde. Ah, vous avez vu? Vous avez vu la position des deux points? Oh, magnifique. Celle-là aussi est belle. Le problème, c'est que c'est la boxe d'Hassan d'évoluer sans garde avec les bras et avec les poings en bas. Mais c'est un peu dangereux contre ce type d'adversaire qui est quand même très expérimenté et qui manie bien l'hypercute. Exactement. Oh, ouais. Là aussi, le crochet du droit. Allez, 8 secondes. Qu'est-ce qu'il avance, ce Géorgien? Ah mais ça, il ne va pas le lâcher jusqu'à la dernière seconde, Alexandre, ça c'est clair. Allez, on vous rappelle la question pour gagner l'écran plat. Par SMS au 7-23-23, vous envoyez le mot « box », suivi de la réponse à la question suivante. Combien de temps dure un round de boxe anglaise? Il souffre dans sa chair. Et vous l'avez vu, 15 minutes ou 3 minutes. Vous envoyez 15 ou 3 au 7-23-23. Je vous conseille d'envoyer le second d'ailleurs. Et regardez, il a fait mal ce coup là. Ça s'est bloqué par les gants, mais par contre effectivement le contre du Géorgien lui arrive. Ah oui, derrière. Heureusement il est en bout de course et Hassan a effectué un retrait. Heureusement. Ça peut vous envoyer au tapis là s'il le prend de plein fouet. Hein. Et si comme nous vous aimez la boxe, sachez que Direct 8 s'investit sur la boxe. Et on croit énormément en ce magnifique sport. Et l'association avec Sébastien Carrière s'inscrit dans la durée. Vous verrez régulièrement avec nous, on vous le disait, des superbes soirées de boxe avec des championnats du monde à la clé. Oui, Maya, cinquième round. Bon, ça n'est mieux installé dans le ring. Puisqu'il est vraiment difficile de faire courbe. Advent-il toujours le pressing de près. Donc là, il laisse plus d'espace à Hassan. Oh, un des deux côtés. Attention, ça arrive plusieurs fois. Je touche, mais je me fais contrer en même temps. Il faut vraiment qu'Hassan se remette en jambe parce que là il a eu un petit moment d'inattention. Et il en a pris une belle aussi. Hein. Ah oui. Voilà, frapper, partir. C'est vraiment des missiles, hein. C'est des missiles, il faut les éviter.
Magnifique travail au corps de Hassan là. Quel beau combat. Quel niveau de boxe. Ça enchaîne d'un côté comme de l'autre. Tous les coups ils passent. Il faut qu'Hassan se serve beaucoup plus de son bras avant pour garder Kurtidi à distance. Et le sang qui coule sur le visage d'Hassan Endam. Ah là, c'est compliqué à cadrer là. Quand Hassan est bien mobile comme ça, c'est bien. Et vous avez vu le métier du géorgien qui garde un temps derrière la tête d'Hassan pour pouvoir le frapper. De l'autre. De côté, c'est ça le problème. C'est quand il réussit de beaucoup, souvent il se fait contrer ou contre-attaquer en même temps. Et c'est là que ce géorgien est fort. C'est que vous lui en mettez une, il vous la rend. Voilà, voilà. Et c'est là que, effectivement, on comprend qu'on soit à la lutte pour décrocher la ceinture mondiale. Il sourit là. Le géorgien, il vient le charrier. Et la réponse à Salendam. Viens mon gars, tu veux jouer, on y va. Ça y est, chacun joue son rôle. Et le public du Palais des Sports, passionné, connaisseur. Là, franchement, Hassan est complètement dans sa partition. Frapper, partir, esquiver, c'est parfait. Surveiller, ce n'est pas que du droit. Il est arrivé encore tout à l'heure, là, il y a 10 secondes. Surveiller, ce n'est pas que du droit. Voilà, bouge, c'est fini, ça bouge. Ça permet, il l'amène de très loin, de très bas. Ça permet de prendre de la vitesse et de faire mal. Oh, regardez comme ça charrie. C'est énorme. Ce géorgien. Surprend tout le monde là. Qu'il attendait à ce niveau. Oh là. Ouais, la remarque est juste Alexandre, parce qu'effectivement, sur ce qu'on avait pu voir en vidéo, Kurtidze n'était pas aussi pressant. Allez, on va retrouver Saïd Tagmaoui, okay, qui est aux côtés du rappeur Kool Shen. Ouais, je suis avec Kool Shen et waouh, Kool Shen. Ah, putain de combat, hein. T'as vu, opposition de style entre un technicien et un mec qui a faim, qui a envie de rentrer dedans, en plus c'est un sacré puncher, ils lui sont palmarès un peu, 22 victoires, 13 KO, donc c'est un mec qu'on voit. Moi ce qui me fait peur c'est qu'il baisse un petit peu la garde, hein, là, mais qu'il faudrait qu'il garde les mains en l'air, mais c'est vraiment terrible le combat, vraiment terrible. Merci Kool Shen. Oh là là, regardez sur ces images comment Kurtidze le charrie chez lui à la maison. Quand on s'en dégauche, il y a un coup sec. Fais pas d'échange court. Lui, c'est de te surprendre, il fait semblant qu'il est fatigué, il se jette sur toi. Okay. Allez. Ça se voit qu'il est fatigué, il se jette sur toi. Oui, Maillard, tu confirmes? Oui, effectivement, parce qu'il cadre moins précis, moins pressant. Cadrer près, c'est venir faire des petits pas. Quand on se jette, c'est que bah, on est moins lucide, moins précis. On va voir, c'est ça la clé. Pour l'un, se déplacer pour Hassan pour attaquer ou contre-attaquer, et pour son adversaire, de cadrer de près. Enchaînement du géorgien. Alors, vous voyez, quand il n'y a pas des petits pas pour s'approcher aussitôt, ça ne sert à rien. Il faut qu'Hassan pense à donner des coups quand même, à marquer des points. Eh oui, parce que là, il recule beaucoup. Et puis vous savez, en boxe, c'est un boxeur qui avance sur son adversaire pendant toute la durée du combat. Impressionne mentalement, les juges. Ah oui, bien ça, sûr, d'une ça, part, oui. Ça marque les juges. Oui, puis mentalement, vous faites que reculer. Alors même si vous mettez des coups de temps en temps. Et regardez le visage couvert de sang d'Hassan Endam. Ah bien. Belle esquive. Voilà, très bien, deux coups donnés et pas de coups pris. Voilà, vous voyez ce que il n'arrive plus à cadrer de la même manière près, très vite et près. Ça laisse le temps à Hassan. Bah évidemment, quand vous êtes moins lucide, les jambes sont lourdes. Hein, mais... bah, vous avez quand même passé la mi-combat, donc effectivement la fatigue commence à se faire sentir. Et puis mine de rien, Hassan Endam distribue. Oh. Un travail au corps des deux côtés. La seule chose, Maillard, d'ailleurs, qu'on pourrait reprocher à Hassan, c'est de ne pas assez utiliser le travail au corps. Et on prend des gouttes de sang. Effectivement, ils avaient tous les deux commencé en début de combat, et puis je ne sais pas pourquoi, ils laissaient mieux que nous. Peut-être qu'il l'a senti inutile, ou comme il n'est pas difficile à atteindre. Il y a les deux. Oh là là, il est touché. Il en a pris, en tout cas.
Bon, accroche-toi, voilà. C'est un vrai rouleau compresseur. Hein. Eh oui. Ah bah, regardez-le. Je ne sais pas, le bûcheron, j'en sais rien, le plombier, je ne sais pas, tous les corps de métier. Dur, on va au charbon. Maillard, arrête-moi si je me trompe, mais il y a un petit peu de Fabrice Benichou dans la bosse de Curtizé. Effectivement. Bon, Fabrice, je sais qu'il nous regarde. J'espère que tu t'y retrouveras. Cette façon d'avancer sans cesse, ces crochets larges. Mais, quel que soit le résultat ce soir, c'est la bonne tactique. Contre un grand technicien, si vous le regardez dans le blanc des yeux, il vous prend de vitesse. Voilà, il faut avancer. Mais messieurs, on n'en est qu'au 7e, il en reste 5 derrière. Mais là, franchement, Alexandre, je n'ai aucune inquiétude sur les qualités physiques et l'entraînement de la Sanen Dame. Il est prêt pour 15, voire 20 reprises. Hop, attention, attends. Ah non. Hop. Et il rigole plus là, Hassan. Regardez, dans le regard d'Hassan Endam, on ne rigole plus. On sait que c'est dur. C'est rien, ton hémorragie. Donne-moi la vaseline. J'aime bien ça. C'est rien pour l'hémorragie. C'est génial, je vous rassure. Saïd, ouais. Ah, quel combat. Alors là, ici, on vit beaucoup d'émotions. Je suis avec Souleymane Mbaye, champion du monde sur WBA, sur Direct 8. Souleymane. Quelle émotion, comme tu as dit, Saïd. Effectivement, là, j'ai plein de palpitations. J'ai envie d'aider mon pote Hassan. Effectivement, là, il a face à lui un vrai boxeur, un champion. Et ce que j'aimerais lui dire, c'est de contrôler un maximum parce qu'il ne va pas arrêter d'avancer. Et oui. Merci Souleymane. Merci Saïd Tagmaoui. Ok. Tu l'as ta prothèse. Star à Hollywood. Allez, et sur Direct 8. C'est bon. Des gauches et droites sec. Vous voyez, c'est un signe aussi ça. Regardez messieurs. Curtizé est prêt avant une dame. C'est qu'il est à l'étranger et il sent que c'est faisable. Exactement. C'est pas inespéré, c'est faisable. Donc. Il a pris goût à la victoire. Hein. Voilà. Et puis on a vu le dernier petit coup après le gong du round précédent qu'a mis Hassan. Il l'a mis et puis après il est reparti tête basse. Je voulais vous en parler, Alexandre. Souvent, boxe professionnelle, ce coup-là fait remporter le round à celui qui le réussit. Ce sont les coups nets, forts, qui prennent l'avantage sur 3, 4, 5 coups. Voilà. On peut accorder un round pour quelqu'un sur une action comme celle-là. Ah, c'est combat équilibré, c'est bien. Tous les deux physiquement sont présents. Souffle Hassan, souffle. Qu'est-ce qui est le plus fatigant? Et je parle pas de la boxe, mais juste sur le fait d'avancer ou de reculer, Maillard. Moi, je peux vous dire que c'est en avançant qu'on se fatigue, moins pour une simple raison. Les nageurs le savent, ce qui consomme de l'oxygène, ce sont les cuisses, les jambes. Et reculer et danser, plus fatigant, plus consommateur d'oxygène que avancer tranquillement. C'est juste, en même temps, le style de boxe d'Hassan Endam est vraiment celui-là. Donc il n'a pas d'effort particulier à fournir pour boxer comme il le fait. Mohamed Ali dansait bien pendant 12 rondes. Complètement. Mais ça demande une dépense plus importante. La seule chose qui m'inquiète un peu sur ce début de 8e reprise, c'est que Hassan donne quand même moins de coups. Oui. On a l'impression qu'il a besoin de souffler. Il porte moins de coups, c'est effectivement, sur le visage du géorgien Curtizé. Bien encore. Il va y retourner. Surveillez cet hyperque du bras arrière. Il va bien arriver une fois. Il a repris une droite là. Et une gauche. Chacun son tour. Mais il ne faut pas qu'il accepte ce combat. Regardez le sang sur le visage de Hassan Endam. Il fait mal les coups du Géorgien là. Il veut plus courir là, Hassan. Oh là là. Compliqué. Ça devient très compliqué. Un coup foiré ici par Hassan quand même. Ça y est, il a renversé la vapeur. Il se confond, je crois. Mais il faut qu'il sorte de là. Très bien. Attention. Vous remarquez les actions-réactions du Géorgien. Je bloque et je contre-attaque derrière. Il le fait très souvent. Devant Hassan qui boxe vite, faut pas boxer en même temps que lui. Il faut boxer après, il le fait. En tout cas, physiquement, ce 8e round laissera des traces. Ils se jettent l'un et l'autre dans la bagarre. Oui. Et les deux arcades d'Hassan Endam, le franco-camerounais qui continue de saigner de plus en plus. Les deux pommettes maculées de sang. Hop, une droite qui est arrivée, je crois.
Oh là là. Bon. Et ils le savent l'un et l'autre. Il y a cette couronne, cette ceinture de champion du monde WBA qui attend l'un des deux. Une compliquée là, une compliquée. Oui. Lui, il a pris tous les coups dans la tête, d'accord ? Donne-moi la... Vas-y, Hassan. Tu m'écoutes ? Il n'y a rien. Tu peux faire 4 coups comme un champion. Que des coups secs. T'as vu, tu l'as mis à la rue. Continue comme ça. Tu vois ? Quand t'as la montagne, Hassan, quand t'as la montagne, tu continues. Hein, t'es fatigué. Mais là, t'es à ton objectif. Donc, tu serres les dents. Tu serres les dents. Tu relâches, tu exploses. Tu relâches et ne garde pas les membres, le menton en l'air. Tu m'entends ? Voilà. Tu m'entends ? Souffle. C'est quoi 4 rounds ? Allez, tu viens, tu vois, t'as 4 rounds à faire. On revient en arrière, il n'y a plus rien. Hein ? Ok ? Allez. Souffle, si vous voulez sortir. Oh là là. Ça va ? Ces propos m'inquiètent, messieurs. Oui, et puis surtout, vous avez entendu comme moi le souffle un peu court de Hassan qui n'a pas parlé et qui vraiment cherchait à récupérer. Et cortisé, oui. Ouais, j'ai peur qu'il soit un peu dans le dur physiquement. On va le voir. Plus auprès de la montagne. T'as envie, tu sais faire. Pourvu que les coups nets n'arrivent pas. Les larges crochets du Géorgien, ils ne doivent pas arriver. Il fait mal, Kurtidze. Les coups, ces avancées permanentes. Regardez le visage d'Hassan. Marqué. Il n'y a plus de sourire là. Oh bien, wow. Très bien. Ah, la droite arrive. Superbe. Parce qu'on l'attend pas à ce moment-là, il va dessus, donc il ne peut pas normalement le déclencher. Oh, bloqué, mais waouh, il y a de l'impact. Voilà, c'est bien qu'il se serve de son allonge, qu'il marque et qu'il s'en aille. Voilà, c'est beaucoup mieux. Parce que si Hassan Ndam est fatigué et marqué, c'est 8 rounds plus 1 minute. Les deux les ont effectués. Ah, il insiste là, depuis 30 secondes sur les hypercuts, qu'il disait. Vous allez voir. La seule chose, c'est que je ne voudrais pas que l'arbitre ramène Hassan dans son coin pour faire examiner les blessures par le médecin de la soirée. Oui, mais jusqu'à là, il n'a même pas vérifié lui-même. Donc, bon. Ouais, c'est ça, Hassan. Il a toujours saigné comme ça. Champion du monde. Et on rappelle que le vainqueur de ce soir devrait affronter l'Ukrainien Golovkin. Sans doute au mois de janvier prochain. On disait dans le clan Ndam, ce combat n'est qu'une étape. Il faut la franchir, cette étape. Et Mousse parlait de montagne, mais la montagne est peut-être plus haute que prévu. Ah oui, là c'est une véritable étape de montagne pour les cyclistes, parce que ce combat, très franchement, est plus compliqué que prévu. Oui, mais on n'attendait pas Kurtidze à ce niveau-là. Effectivement. C'est bien pour le spectacle en tout cas. Et pour les téléspectateurs de Direct 8 qui ont pris goût à la boxe. Ou qui retrouvent la boxe. Donc pour l'instant, pendant ce round-là, c'est compliqué de donner à l'un ou à l'autre. Il y a aussi un coup d'attente. Même si c'est au contact, il ne se passe pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Au point, messieurs, qui est en avance. Je pense qu'Hassan est en avance d'un petit point, mais pas beaucoup plus. Ah, moi j'ai compté en début de combat, là pour moi c'est un peu compliqué. C'est en avance parce que pour beaucoup de raisons, oh là là. Mais pas de beaucoup, sinon vraiment ils sont dos à dos pour moi. Il est marqué Hassan. Hein. Mais nous ne sommes pas juges. Non, absolument. Allez, 15 secondes dans ce 9e round. Ah, il faut qu'il finisse fort là, les 10 dernières secondes. Ouais. Ce round-là, vraiment, je pense qu'il est oh là difficile. Là. Oh, magnifique. Kurtidze qui s'est jeté dans la bagarre et qui du coup laisse le champ un peu plus libre. Hassan qui en a profité, la moindre ouverture. C'est vrai, un complexus réussi enchaîné avec un crochet du gauche. Saïd, vous voyez, je ne savais pas qu'il donnait, c'est peut-être Hassan. Saïd. Oui, je suis avec Dominique Nato qui est le DTN de la boxe en France. Dominique, quelques mots sur ce combat d'une rare intensité. Tout à fait, c'est un match très intense et très indécis puisque on peut dire que les deux boxeurs sont proches l'un de l'autre et que les trois derniers rounds vont être déterminants. Donc, je pense qu'il va falloir. Hassan a du mal à se déplacer, a du mal à entreprendre ses actions habituelles. Donc le Géorgien ne le laisse pas s'exprimer, il lui laisse peu d'espace. Donc en plus il est blessé. Donc ça, c'est un
une fin de match qui est très indécise et qui est très palpitante. Il en reste 3. Merci Dominique Natto, merci. Le DTN, le directeur technique national de la boxe en France. Et regardez le clan à Cariès avec Thierry Schellmann, le directeur des sports de Direct 8. Et oui, ça interpelle. Il en reste 3, le 10e, le 11e et le 12e pour venir faire la différence et décrocher ce titre de champion du monde WBA par intérim pour l'un comme pour l'autre, ou pour le franco-camerounais à Salendam, ou pour ce géorgien Aftandil Kafidze qui surprend son monde aujourd'hui. Oui, qui lui coupe bien la route à Salendam. Et c'est vrai que c'est très très compliqué à boxer, même pour quelqu'un qui est en jambes comme lui. Ah, s'il parvient à retrouver un petit peu de distance à Salendam, il peut enlever la décision. Quand il disait vraiment cadre moins vite, c'est, déjà, c'est ce qui laisse plus de place à Sand. Mais maintenant, il faut toucher également, vous voyez, pas grand-chose. Il y a la fatigue l'un d'un côté comme de l'autre, il faut choisir là. Hein. Heureusement que les crochets arrivent pas vraiment à les crochets. Maillard, la générosité dans les coups, c'est fini quand on en est au 10e round. Hein. On essaie. On choisit. Ah, oui. Ah, j'espère qu'il a dansé parce que je suis pas sûr. Storm. Oh, il a bien réussi. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là, là. Attention. Attention aux crochets. Ouais, attention vraiment à ces crochets larges. Ah. Pas de risque, vous entendez. Pas de risque, mais dans il faut le camp d'une dame. Pas de risque, mais il faut mettre des coups. Il faut gagner les rounds. Bouge, pas de risque. Bouge, pas de risque. On veut que tu sois champion du monde. Eh oui, mais. Ce géorgien est une machine à avancer. 1m70 de tonicité, de muscles compact. Oui, ouais, il est vraiment pressant. Alors, il y a un petit peu moins de rythme, heureusement. Voilà, dans le cadrage, c'est heureusement. Et il suit au lieu de couper la route, ce qui laisse vraiment de la place à Hassan. Ce qui lui permet de faire le tour de ring. Mais là, il faut vraiment qu'Hassan soit actif, hein, qu'il marque des points. Ah, magnifique, magnifique. Oui, mais bon, le point y est. C'était peut-être pas déstabilisé, mais les juges l'ont vu. Attention à ce stade du combat. Ouais, il faut sortir de sang. Ça parfait. Peut basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment là. Hein. Oh, 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 bien, ouais, bien, wow. Un peu désorganisé les attaques, c'est bien. On sent quand même beaucoup de lucidité encore à Maillard dans la boxe d'Hassan Endam. Hassan est plus précis sur les coups. Oh, ouais, mais là la gauche elle est passée. Attention. Non, ça va, ça va. Il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, là, qui jette de l'eau sur le ring, ça peut faire glisser les boxeurs. Absolument. Et il peut y avoir, vous avez intervention extérieure plus grave que ça, il peut y avoir un no contest. C'est pas le moment qu'on gagne un combat. Allez, on vous rappelle pour la dernière fois pour gagner le magnifique écran plat par SMS et en direct tout de suite. Vous envoyez le mot boxe au 7-23-23. Vous répondez à cette question. Combien de temps dure un round en boxe anglaise? 15 minutes ou 3 minutes? Faites vite. Le 11e va débuter dans quelques minutes. 7-23-23, vous envoyez 15 ou 3. Et écoutez, et en même temps, regardez. Regarde-moi. C'est le coach qui parle à son élève. En chaque léanche, un coup ça gâche et tu sors. Un coup, tu gagnes le round si jamais tu fais pas d'échange, d'accord? Il faut pas que tu sais, parce que là, des fois tu esquives un coup et il reste et tu peux te prendre un coup, un mauvais coup. D'accord? Faut marquer des points. Il faut marquer des points. Oui, regardez ce que dit Gaëtan Michalef. Il faut marquer des points. Ok. C'est exactement ça, parce que là, très franchement, on est peut-être mené. Oui, en tout cas, les deux boxeurs sont vraiment proches. Hein. Il faut gagner les rounds, effectivement. On peut pas les laisser passer. Il en reste deux. Et il faut les prendre. Brahim Asloum est là. Allez, avant-dernier round. Salendam a vraiment intérêt à finir fort pour impressionner les juges. Et vous vous souvenez, lors des premiers rounds, Kurtzidze, il avançait, comme il continue de le faire, mais il frappait tout de suite le premier. Ça n'a pas été le cas. Il a besoin de points, là, Hassan. Et il laisse plus de place à Hassan. Et je vous dis, il cadre pas en coupant, il cadre en suivant. Donc, ça laisse plus de place. Est-ce que ces saignements prématurés ont perturbé Hassan? Oui, forcément.
Ça gêne un peu dans la vision, mais ça vous gêne surtout dans la tête, parce que je peux vous dire, vous pensez qu'à ça. Hein. J'espère qu'on va pas m'arrêter. Ils sont fatigués là. Hein. C'est de la grande boxe, la Maillard. Oui, et ce qui est terrible, c'est que maintenant, ça va se jouer à peu de choses. Si l'écart est vraiment minime comme on le pense, deux ou trois coups réussis comme celui-là, comme celui-là, font basculer le round. Bah voilà, déjà le round est emporté par Hassan s'il n'y a pas de réaction en face. S'il n'y a pas de réaction en face, il reste évidemment, encore 50. Hein. Évidemment. Il a bien écouté. Ah, il est bien là, il est bien. Il boxe intelligemment. Oh. Mais attention, en face c'est toujours là. Vous l'avez vu avec ce direct du gauche. Mais à cet instant-là, je crois plus, si on va pas au point, un KO réussi par Hassan que par son adversaire. C'est sec, c'est. Oh, oh. Ah bah, Et lui aussi s'est piqué. Hein. Elle est belle. Allez. Il est touché. Faut enchaîner, il est touché. Il est touché. Il est sur les talons, regardez. Ouais, il avance plus là. Le Géorgien Kurtidze. Ben voilà. Et regardez, la garde est moins haute, moins précise. Et Hassan Endam qui déroule. Très bien. Il reste une minute, c'est long, hein. c'est bien parce que il peut même. C'est long pour le Géorgien. Oui, oui, bien sûr. Il peut encore mieux gérer cette avance. Il revient. Et l'intérêt, parce qu'il perd le round, hein. En tout cas, mentalement. C'est un taureau ce Géorgien. Hein. Et ce qu'il vient de prendre. Mentalement, Alexandre, c'est un boxeur. Eh oui. 11e round avec ce qu'il vient de prendre. Il est encore là. Kurtidze. Non, c'est vrai qu'Hassan, sauf catastrophe, a largement gagné cette reprise. Les 20 dernières secondes, Hassan. Ah ouais, là, c'est important, c'est bien. Au bon moment. Bien terminé, c'est important aussi, parce que mentalement, il faut affecter les juges. Oui. Si la décision se fait au point. Oh. Attention. Oh. Heureusement qu'il y a eu ce petit retrait de la tête de la part d'Hassan. Regardez-le. Quel courage. Quel courage. Saïd, tu es où et auprès de qui? Alors je suis à côté de Jean-Luc Lahaye et on est en train de regarder ce round. Qu'est-ce qu'on vit, Jean-Luc? C'est assez exceptionnel, ce combat est exceptionnel. C'est vrai que c'est un peu une tragédie grecque. Un boxeur géorgien qui vient de nulle part et qui résiste et qui avance sans arrêt tel un rouleau compresseur face à Hassan, qui est le boxeur privilégié d'ici du Palais des Sports. C'est exceptionnel. C'est une très très belle rencontre, un très beau combat. Ah oui, ça, c'est la magie du sport. Le scénario n'était pas écrit. Nous le découvrons au fur et à mesure. Mais quelle qualité de boxe! Que de qualité technique, physique et mentale d'un côté comme de l'autre, Maillard. Il faut être bien préparé pour réussir des coups nets comme ce round-là en fin de combat. Allez, attention! On est proche de l'épilogue pour être champion du monde. WBA par intérim des poids moyens. Regardez cette image, c'est magnifique. C'est magnifique, tu as raison, Bertrand Régis. Le respect entre ces deux garçons. De toute façon. 2,45. Voilà, maintenant il faut tourner, hein. Il ne faut pas chercher à amuser la galerie. Ouais. Et forcer les coups. Mettre des points, hop là. Très bien. Très intelligemment bon, de la part d'Hassan Endam. Vous avez du métier, monsieur. Mais oui. Mais ça fait partie du jeu. Donc Maillard, volontaire, hein. Messieurs. Oui. Oh, je sais pas, je connais trop. Si. Allez, boxe. Très bien. Il a gagné 10 secondes, Alexandre, mine de rien. Oui. Il a gagné 10 secondes. Allez, le Géorgien nous l'avait fait au début, ce petit coup-là. Ouais. Gardez sa distance, voilà, toucher, partir. Attention là, vraiment. Voilà. Ce round qui est le dernier, mais attention. Le rouleau compresseur, Géorgien Kurtidze. Oh, magnifique. Magnifique. N'a pas rendu son tablier encore. Là, ça y est. Voilà, c'est compliqué, c'est bon. Ça veut dire quoi, Maillard? Le combat a basculé là? Il a basculé le round. Il ne peut pas emporter ce round. Je ne suis pas dans les chaussettes de juge, je ne sais pas où en est-on, je l'imagine. Sinon, Hassan n'aurait pas à reculer. Mais là, il va être difficile pour les Géorgiens de gagner le round. Soyons francs, on va dire que la 11e reprise a été fondamentale. Je crois. Et je pense qu'elle a fait basculer le combat. Je crois. En faveur d'Hassan Endam. Quel boxeur, oui!
elle est passée celle-là aussi. Très bien. Il n'aurait pas boxé comme ça. Il n'aurait pas boxé comme ça, se croyant en retard à Saint. Donc, complètement, complètement. C'est qu'il sait ou il imagine quelque chose. Je pense qu'on lui a fourni le pointage, ou en tout cas une estimation assez précise, en lui demandant de ne pas prendre de risques. Alors que Curtis continue d'avancer, il sait que il a les dernières cartouches au bout de ses gants et que c'est maintenant ou jamais. Moins d'une minute. Moins d'une minute. Enfin, qu'est-ce qu'il est valeureux quand même, ce Géorgien. C'est fantastique. Fantastique. Ce numéro 2 de la WBA, alors qu'Hassan Endam est numéro 1, mais en boxe. Oh. Non, 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 c'est sur le ring que vous faites la différence. Ouais. 25 secondes. Les 25 dernières. Et Curtis qui se jette dans la bataille. Il a besoin de points, il le sait. Ah, fin de round compliqué quand même. Il a pas su, il se crée pas cet espace. Il se jette. Il se jette. Ouais. C'est bon. Fin du 12e round. Les juges vont maintenant se tourner vers l'arbitre, monsieur Stanley Christodoulou, qui d'ici quelques minutes va nous donner le verdict final. Qui de Endam ou de Curtis va devenir champion du monde WBA par intérim des poids moyens. Mais regardez quand même, Hassan finit assez éprouvé. Ouais. Regardez, il est contre les cordes de son coin. Il essaie vraiment de récupérer. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas donné un rythme pour faire 20 rounds, mais 12. Donc voilà, ils sont arrivés au bout. Et regardez ces images, ce visage. Et les deux arcades ou pommettes. Arcades plutôt ouvertes. Plutôt les arcades, oui. Ouais, d'Hassan. Et le sourire de Curtis. Sébastien Cariès. Et là, aucun geste qui a dépassé le cadre de la boxe pendant ce combat. Aucun non. geste. Combat d'une franchement d'une grande régularité. Absolument. D'une grande sportivité. C'est beau, hein. Saïd, toi qui étais dans le public, t'as vu un peu les regards des gens. C'est phénoménal, hein, ce qu'on a c'était, vu. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était vraiment, comme il disait Jean-Luc Lahaye, une tragédie grecque, quoi. C'était vraiment à un cheveu. C'était à toi, à moi. C'était terrible. Quel beau sport, quel beau combat, quelle belle discipline. Et logiquement, parce qu'il y a parfois une logique en boxe, on va dire que Hassan est favori. Oui, Hassan a allé entre 1 et 2 points d'avance selon mon pointage. Enfin, on a parfois des surprises. Donc, on va attendre le pointage officiel des juges. Et en tout cas, quel que soit le résultat, le futur adversaire ou d'Hassan Endam ou d'Aftandil Curtis devrait être l'Ukrainien Gennady Golovkin, champion du monde WBA régulier. C'est encore la marche au-dessus, un cran au-dessus qui attend ou Hassan ou Aftandil. Et ce combat-là, eh bien, on le retrouvera au mois de janvier. Il y a quand même beaucoup de suspense encore. Hein. Je vois les gens dans la salle et tout le monde est là, debout, et se demande si, qui a gagné, en fait. Ça a été tellement tendu que... Regardez ces belles images. Ce fair play entre ces garçons qui, pendant près d'une heure, s'en sont mis, pardon, permettez-moi l'expression, plein la figure. Je crois que tu peux le dire, Alexandre. Hein. Et qui, là, tombe dans les bras l'un de l'autre. Dans notre sport, on n'arrive jamais à ce niveau-là par hasard. Et on a quelque chose. Bah, voilà, c'est ça. Regardez cette image. Tiens, regarde, hein, t'as vu, je t'ai ouvert les deux, hein, mon gars. Non, mais c'est parce qu'à la conférence de presse, effectivement, à Direct 8 cette semaine, oui. Il lui disait, tiens, tu vas voir, quand je t'aurai ouvert, tu feras moins le malin. Ben là, il lui dit, regarde, tu vois, je te l'avais dit, je t'ai ouvert les deux. Est-ce que ça a suffi? Eh bien, c'est ce que l'on va découvrir dans quelques minutes. Sachez en tout cas que juste après le verdict, eh bien, on partira pour une toute petite page de pub et qu'on reviendra avec Hassan Endam à nos côtés. On l'espère avec la ceinture autour de la taille. C'était un grand combat. Un très grand combat, Saïd. Et Daniel Alouche, le speaker, vient de recevoir le pointage final des juges. Donc, surveillez ces petits... Ouais, mais je vois pas mal de sérénité dans le clan Akariès. Complètement. Voilà. Complètement. On est d'accord. Décision des juges. You made a good job, Aftandil. Unanime.
Elle était vaillante. Décision unanime. Pour M. Michael Houck, 117-111. Pour M. Pierre Lucci, Fopi, 115-114. Un point. Et pour M. Merki Meronen, 115-114. 7 points. C'est un point. Déclaré vainqueur au point de ce combat et le nouveau champion du monde WBA des poids moyens, Hassan Ender. C'est mérité. C'est mérité, mais vous voyez comme la boxe est parfois cruelle. Il y a un juge qui donne 6 points. Je pense qu'il a passé la soirée au bar d'à côté. Oui, les deux Hassan Endam, le franco-camerounais de 26 ans, est champion du monde WBA par intérim des poids moyens. C'est un combat exceptionnel. Surtout, ne bougez pas. Regardons encore 10 petites secondes ces images parce qu'elles sont belles. Toute l'année, il est dans les salles à s'entraîner pour ça. Ça, c'est l'objectif, c'est le gramme suprême, champion du monde. On va marquer une toute petite pause et on revient en direct ici au Palais des Sports avec Hassan Endam au micro de Direct 8. Ne bougez pas, on revient tout de suite. En direct du Palais des Sports de la Porte de Versailles à Paris avec le nouveau champion du monde WBA par intérim, Hassan Endam. Hassan, bravo, bravo, bravo. Redoutable adversaire quand même. Hein. Redoutable adversaire. Il est venu pour gagner, il est venu pour faire son boulot, il a fait son boulot. Il t'a fait mal ? Il m'a On pas a fait vu les deux arcades, pardon. Il m'a pas fait mal, il avait beaucoup de jeux de tête. Et comme il est tout petit, je rentrais dans son jeu et parfois il y avait des jeux, des coups de tête, en fait, des chocs de tête. Donc j'ai eu plusieurs chocs de tête, même au front et tout ça. Donc vraiment au niveau des coups, c'était vraiment du tricotage. Et j'ai fait le boulot qu'il y avait à faire, c'était le boulot du matador contre le taureau. Maya, bon Hassan, tu gagnes souvent au tiercé? Je joue maintenant, par rapport à Mousse, je joue beaucoup. Parce que je lui avais demandé un pronostic il y a 3 semaines, et je te promets, à part ma femme, j'en ai parlé à personne par correction vis-à-vis de toi, il m'avait dit victoire au point. Voilà, parce que je savais qui je rencontrais. Il ne fallait pas envisager un combat de force, il fallait travailler technique avec lui. Et c'est quelqu'un qui n'est jamais tombé, c'est toujours quelqu'un qui a toujours acculé ses adversaires. J'ai beaucoup travaillé dans la longueur et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Saïd, une question. Tu t'attendais à un combat aussi physique que ça ? Pas aussi physique. Combat dur, mais pas aussi physique. Et je lui tire le chapeau parce qu'il est venu faire son boulot, il l'a bien fait. Il a bien fait son boulot et pour faire un beau combat, il faut être deux. Je le félicite. Voilà. Hassan, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur ? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « ce combat m'échappe » ? Au début du combat, j'ai pas beaucoup géré. J'étais tensionné, j'avais l'enjeu, il y avait du monde. Je sais qu'il y avait le Cameroun et la France qui me regardaient. Mais après, je me suis ressaisi grâce à mon entraîneur qui m'a dit « fais ton combat dans la longueur, tu gagnes tes techniques, t'es plus technique, tu joues bien tes jambes et on gagne ce combat ». Et c'est ce que j'ai fait à partir de la mi-combat. 25 victoires consécutives, t'es toujours invaincu et maintenant il y a l'Ukrainien Golovkin qui arrive face à toi, c'est ton prochain adversaire. Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent ? Dans les mois qui viennent, c'est repos, je vais un peu en vacances, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir faire ce combat et après on verra le reste avec les négociations de mes promoteurs et on va vraiment aborder le combat tel qu'il est. Chaque adversaire a son style de préparation et on va se préparer pour une autre échéance. À partir d'aujourd'hui, on rentre dans l'histoire et donc c'était un pas. Maintenant, on a traversé le premier virage, maintenant on rentre dans le périphérique. Ça fait quoi d'être champion du monde, vraiment, là, maintenant ? Pour l'instant, champion du monde. Je suis champion du monde. Pour t'es champion du monde. Pour l'instant, je n'en reviens pas. Il me faut du temps. Et je vais vraiment dans la peau d'un champion, c'est-à-dire la tête basse, continuer à travailler dur pour pouvoir conserver la ceinture. Maillard Manchipour, dis-lui ce que ça fait d'être champion du monde. C'est un plaisir de tous les instants, mais tu vas le savourer. Rien que dans le regard des gens qui aiment la boxe et qui te connaissent par exemple à Pantin. Et je tiens à dire à tout le monde, à tous ceux qui me regardent, que je resterai à Saint-Denis, je ne changerai pas, même si je suis champion du monde. Je resterai le même, je ne change pas, je suis la personne que je suis. Et ça ne, être champion du monde, pour moi, ça ne m'augmente rien. Donc ces personnes-là qui ne se mettent pas des freins, qui m'abordent et qu'on parle avec eux tranquillement, je reste le même. Mais moi, on m'a dit que tu dansais quand tu gagnais. J'ai rien vu là. Je danse toujours. J'ai toujours la joie de vivre. Vas-y, c'est le moment là. Dès que j'ai une musique, allez, je danse. Voilà. Donc je tiens à donner j'ai fait ce combat pour la petite Cheyenne qui est malade et la petite Juliette et ma petite fille Sarah. Et tous ceux qui me regardent, je souhaite un joyeux anniversaire à Franck et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Le petit Loulou,
Et il y a beaucoup de personnes qui fêtent leur anniversaire, Iba de la Team Moule. Et voilà, je souhaite aussi à Arsène du Cuba, tout le monde, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'aiment bien, je les savoure cette victoire. T'inquiète pas, si t'en as oublié, ils comprendront pourquoi voilà. Avec ce que vous êtes mis pendant les 12 rounds. Voilà. Merci en tout cas, Hassan Andam, ça a été un vrai privilège, un vrai plaisir pour nous à Direct 8 de retransmettre ce combat exceptionnel. Merci au réalisateur Dominique Brett, merci Alexandre Perrin à la production, merci à tous ceux qui ont travaillé derrière, JB, j'en passe et des meilleurs. Merci à Bertrand Régis Louvet, on se retrouve pour les prochains combats. N'oubliez pas, 18 décembre avec Steve Erelius, on ira en Allemagne pour le suivre, cet autre champion du monde français. Regarde. Direct 8 parce qu'il y aura des beaux combats. Et là, c'est parti pour la boxe en France avec Direct 8. Restez connectés à Direct 8. Merci à Saïd Tagmaoui. À bientôt sur grand écran. Merci à Maïa Manchipour. Franchement, c'était une soirée exceptionnelle. Et je suis certain que les téléspectateurs qui étaient là aujourd'hui ont vibré comme nous. Merci à vous tous. Et bravo, champion. Bonsoir.